Le prince Harry n'est pas le seul à faire parler de lui dans les médias. En Norvège, c'est Durek Verre qui n'en finit plus de défrayer la chronique, pour le plus grand malheur de la famille royale. Celle-ci avait pourtant tenté de faire taire l'encombrant fiancé de la princesse Martha Louise de Norvège avec un accord stipulant que le couple ne pouvait plus faire référence aux membres de la maison royale sur leurs réseaux sociaux ou dans le cadre de leurs activités commerciales. Rien n'y fait, le chaman ne fait fi de ses règles sur ses comptes Instagram et TikTok. Après un live TikTok déjà très controversé au cours duquel il affirmait communiquer avec le défunt ex-mari de la princesse Martha Louise, le quotidien britannique The Daily Express rapporte que Durek Verre a tourné une nouvelle vidéo en direct dans laquelle il mentionne ouvertement le roi Harald V, le reine Sonia et le prince Haakon. Leur mention est d'autant plus problématique pour l'image de la monarchie norvégienne que Durek Verre utilise le même compte TikTok pour ses activités commerciales. Il y promeut notamment le spirit optimisé, un médaillon qu'il aurait, selon ses dires, aidé à surmonter le Covid-19. Martha Louise de Norvège, Juan Carlos, Harry et Meghan Markle. Ces scandales qui ont marqué le Gotha en 2022, recherche médicale versus médecine alternative, souhaitant se prémunir des terribles retombées médiatiques qui suivent chaque sortie de l'Américain, la famille royale norvégienne avait réaffirmé sa grande confiance dans le service de santé norvégien et les autorités sanitaires norvégiennes dans une déclaration publiée à la suite de l'accord conclu, en vain, avec le couple. La princesse Martha Louise avait également indiqué qu'elle était consciente de l'importance des connaissances fondées sur la recherche. Et d'ajouter, je crois aussi, cependant, qu'il y a des composantes d'une bonne vie et d'une bonne santé physique et mentale qui ne sont peut-être pas si faciles à résumer dans un rapport de recherche. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, Dana Press.